Otep à tous, bien-aimés, frères et sœurs, l'Iran a riposté. L'Iran a riposté de façon énergétique, de façon professionnelle. Et je vais expliquer pourquoi je dis l'Iran riposté de façon professionnelle. L'Iran a attaqué. Ils ont envoyé, en tout cas d'après le gouvernement américain, les autorités américaines, plus de 250 missiles balistiques. Mais selon d'autres sources indépendantes, on parle de 400 à 500 missiles qui sont tombés en Israël. Les autorités israéliennes et américaines disent qu'ils ont travaillé ensemble pour intercepter tous ces missiles, ce qui semblerait être faux. Apparemment, c'est une fausse histoire. Les objectifs ont été atteints. C'est-à-dire que l'Iran a frappé, a atteint, a traversé le dôme de défense, le dôme les dômes de protection. Les fameux dômes là n'ont pas pu parer, n'ont pas pu intercepter, n'ont pas pu bloquer tous ces missiles. La très grande majorité de ces missiles ont atteint leur objectif. Vous savez que l'Iran a un système où quand ils envoient des missiles, en fait, ils envoient plusieurs, de telle sorte que un système de missiles est embrouillé. S'il peut atteindre un, il y aura deux ou trois autres, quatre autres qui vont tomber. Et je disais tantôt que l'Iran a été très professionnel parce qu'il n'y a pas eu de mort. Apparemment, il n'y a pas eu de mort. S'il y a eu un mort, il peut en avoir un. Il y en a d'autres qui disent un mort seulement, mais d'autres disent qu'il n'y a aucun mort. Mais on voit bien, à travers les médias indépendants, que ben, l'Iran a atteint ses objectifs. Ils donnent des images où l'Iran, on voit bien les missiles toucher le sol israélien. Il y a même des missiles qui sont tombés à quelques mètres de la base du Mossad. Donc, c'était vraiment... En fait, c'est l'Iran, d'après les Iraniens, c'est un avertissement. C'est pour dire à l'Iran que si vous vous engagez dans une guerre, croyez-nous que nous sommes capables même de rayer Israël de la carte du monde. Voilà le message qu'ils sont en train de donner. Ils n'ont pas mis d'explosifs dans leurs missiles balistiques. C'est pour ça que ces missiles sont tombés sans faire des dégâts incommensurable. Ça fait des dégâts, mais vraiment très, très, très limités. Et ça dit que il y a des gens qui disent que Israël aurait perdu. Certains médias indépendants vont vous dire que Israël aurait perdu une vingtaine de F-35. Pas le F-16, F-35. Parce qu'ils avaient visé d'abord la base de F-35. Vous voyez la différence entre lorsque les Américains vont bombarder en Irak, il n'y a que des civils qui sont massacrés. En Libye, mais les civils se comptent par milliers. Même lorsque Israël riposte contre le Hamas, lorsqu'il rentre dans Gaza, on est à plus de 40 000 morts, d'après eux-mêmes, ils le disent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Mais là, l'Iran, quand elle a fait son truc, il n'y a pratiquement pas de civils. La cible qu'ils auraient atteinte, la priorité pour eux, c'était les F-16. Et si on atteint les F-16, ça veut dire que les Russes sont, les Iraniens sont forts. Les amis, il y a quelque chose qui se passe là que nous ne voyons pas encore. Et je crois qu'il est temps qu'on arrête avec ce jeu de vouloir toujours régler les problèmes par la force. Parce que les États-Unis, l'Union européenne, les pays occidentaux n'ont plus le monopole de la force militaire, de la violence. C'est ça que moi je tire comme conclusion lorsque je vois la riposte de l'Iran. Ils n'ont plus le monopole de la violence.
Ils, à tout le monde, attendaient cette riposte-là. On ne savait pas quand est-ce que ça allait venir, mais ils attendaient cette riposte. Mais et cette riposte a été envoyée. Donc, ils étaient préparés. Un homme averti en vaut deux. Ils étaient préparés pour stopper ça. Mais c'est arrivé. Ils ont atteint leur destination. Les amis, vous avez, quand vous allez regarder le discours de Netanyahou à la télévision après l'attaque iranienne, vous allez voir qu'il tremble un peu. Il tremble, même le papier est en train de boucher devant vous. On a effacé ces images-là, mais apparemment, vous pouvez retrouver ces images-là sur Twitter. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. L'Occident n'a plus le monopole de la violence. Où ils viennent dans un pays et puis ils font tout ce qu'ils veulent, ils s'en vont. L'Iran a frappé et l'Iran a frappé fort. Et les gens sérieux savent que la riposte iranienne est un avertissement solennel et que s'il continue, ça devrait être grave. Si Israël continue à rentrer dans ce jeu. Parce que, vous voyez, Israël a rasé la bande de Gaza. Vous savez ça, non? La bande de Gaza, là, elle est rasée. Je dis bien rasée. Après, ils s'attaquent maintenant au Liban. Mais jusqu'à quand? Après, ça va être l'Iran. Et donc, l'Iran se prévient pour éviter la catastrophe. Soyez bénis.